Donc bonjour à tous, c'est Ultime Fishing, c'est ma première vidéo. Donc c'est pour vous présenter mon matériel de pêche pour les petits carnassiers. En premier, je vais vous présenter ma canne. Donc c'est une canne Xingjing Neo de chez Sakura. Le moulinet, c'est un Daiwa Crest en 2500. Donc un bon moulinet. Avec j'ai rajouté de la tresse dessus. On va pas s'attarder sur ça, je vous présenterai dans une autre vidéo. Donc ensuite pour les leurres, donc pour le chfen, donc ça c'est une tuerie, le Sakura Notobug. Donc vous lancez à 2-3 mètres du chfen, vous faites des petites tirées avec ses petites pattes, elle va faire des vibrations pour que les chfen ils attaquent. Donc ensuite un petit stick bait, voilà normal, de chez Caperlan. Donc vous voyez, il est bien abîmé, toutes les perches et les chevesnes ils m'ont bien attaqué. Donc ensuite un leurre, là où j'ai fait beaucoup de réussite cette année. Donc c'est le petit Berkeley Power Bait, le Pulse Shad en coloris orange black. Donc avec sa petite caudale derrière, il émet beaucoup de vibrations. Voilà. Donc ça a fait beaucoup de brochets, j'ai pris beaucoup de brochets avec ce leurre. Donc ensuite, pareil, un Berkeley de chez Powerbait. Donc ça c'est un petit Ripple Shad en coloris, on va dire Fire Tiger. Donc voilà, pour les perches, donc c'est une tuerie aussi. Pareil, je fais énormément de perches avec. Voilà. Donc ensuite, encore un petit Caperlan Tolic en 50 mm, en 2 pouces. Pareil, avec une petite virgule derrière. Donc ça prend beaucoup 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 de poissons. Donc ensuite, un dernier. Un petit Storm, un Smash Shad. Donc qui descend environ à 2 mètres de profondeur, 0,5 mètres. Donc je vais bientôt le tester. Bon, apparemment on m'a dit que des bons trucs sur ce leurre. Donc on verra ça. Donc voilà. Donc ensuite, pour ma chaîne, je ferai des vidéos de pêche à la perche en rivière, du brochet rivière, pareil, canal et dans une marnière à côté de chez moi et une sablière. Ensuite, du chevesne, vous aurez des vidéos. À l'ouverture de la truite, pareil, au leurre. Des vidéos en flotte tube sur la sablière et en wadding. Donc voilà, c'était ma première vidéo. Donc abonnez-vous, lâchez un like et à plus les gens.